aujourd'hui, on a un Nissan Kicks pour remplacer le Nissan Juke qui a des fondateurs de segment. Ici, on a un modèle SV, donc moyenne gamme, mais il est deux roues motrices, celle-là. Tandis qu'on peut évidemment obtenir un rouage intégral. Bon, il n'y a pas de prix, parce que ça devrait être un modèle d'essai, sûrement. Et ici, petit point, le pot d'échappement, on voit que c'est un petit peu décevant au niveau de la finition parce que il est assez visible vu de à cette vue. Donc un petit point à corriger. Là ensuite, ici on a des pneus de 17 pouces. Des pneus de 17 pouces, quand même une grosse dimension. Puis le design est plus moderne que celui du Juke. Mais là, l'élément qui est décevant, c'est la qualité de finition extérieure. L'écart là est gigantesque. Ça, il faudra corriger. L'écart est gigantesque. En plus, je peux passer mon doigt, dont je ne dois pas faire devant quelqu'un. Alors ça, puis en plus, si vous remarquez là, regardez, ceci est un véhicule de transport qui n'est pas enlevé. Même chose sur la grille. Ça, c'est un point faible. Là, il y a des rétroviseurs noirs, un toit blanc. Là. Mais bref, la qualité de finition extérieure est très décevante. Ben, la qualité peinture, ok. Mais regardez, là, c'est tout négal. Bref, ça, il faudra corriger. Merci d'avoir été resté par ici et abonnez-vous.